Cette vidéo concerne Heliomycarcinus. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. Heliomycarcinus, appelé l'héro commun, voire l'héro en muret, ou rebelle 2007. Elsevier Dictionary of Mammal, en latin, anglaise, germane, franche, en italien. Elsevier 2007. ISB 0404-541-870-709-780-444-544-518-774. 857 pages. Bok bok lef bok. Id kneyolok, prince, front, cove, source, v sumari, r40v zone page, qf, false, recherché dans le document numérisé Loire des greniers Meyer CZ. 2009, dictionnaire des sciences animales. Dico sciences animales Cirad, consulté en ligne. Montpellier France Cirad. Ourabaya, un rongeur nocturne, comportement animal nocturne de la famille des Myoxida, proche des Loire, animal Loire. Si certaines populations sont encore localement relativement bien conservées, zone de pré ou bocage, souvent il est en forte régression sur une grande partie de son aire naturelle de répartition, au point même d'être considéré comme menacé de disparition sur la liste rouge de l'IC, liste rouge des espèces menacées de l'UIC. Description: le lairo est un petit mammifère d'une quinzaine de centimètres sans la queue et d'environ 60 à unité 140 grammes. Le noir autour des yeux lui donnant un aspect de bandit masqué. Le contraste entre le pelage ventral blanc et dorsal gris brun, la longue queue bicolore à extrémité élargie permettent de le reconnaître aisément. Il fait partie d'un groupe de rongeurs anciens, les Myoxida, et possède à la fois des incisives pour ronger et des dents pointues de carnivore, régime alimentaire carnassier. Mode de vie: un animal à la fois terrestre et arboricole, homme nocturne, qui dort le jour dans un nid caché, dans un trou d'arbre, un ancien nid d'oiseau, voire un nichoir ou bâtiment humain, et descend au sol pour se nourrir. Comme les autres Myoxida Loire animal, Loire muscardinus, Avellanari muscardin, S. européen, il hibernation, hiberne, et entre en complète léthargie pendant le dérangé par erreur, il ne se réveille pas pour autant. Alimentation: son régime alimentaire comprend des fruits, on peut le voir facilement les soirs d'été dans les arbres fruitiers, des baies et des graines diverses, mais aussi des insectes, voire d'autres animaux plus petits que lui. Ils naissent d'ailleurs pas rares, notamment lors de la saison des amours, de voir un lairo entreprendre de dévorer l'un de ses rivaux malchance. Ce cannibalisme est également observé de façon récurrente au sortir de l'hibernation. Habitat: le lairo vide dans les vergers, les jardins et parcs. Il est plus fréquent dans l'entourage humain que le muscardinus Avellanari muscardin ou le Loire animal Loire. Il fréquente facilement les greniers où il peut faire du tapage, puis tapage nocturne et bâtiments abandonnés. Refuge: où il ne touche presque jamais le sol, il reste toujours en hauteur, se déplace d'arbre en arbre. Il joue aussi l'équilibriste en traversant la route via les lignes électriques. Reproduction: la femelle a une seule portée par an, de 2 à 7 petits. L'accouplement a lieu en avril, mais la gestation dure 3 semaines. La maturité sexuelle est atteinte au bout d'un. La longévité est de 3 à 4 ans dans la nature. À leur naissance, les petits mesurent unité 4 cm, que sont roses et aveugles, poker close, leurs cris sont aigus ultrasons et leur mobilité étonnante vue du vert gris clair se développe rapidement et leur vigueur accroît dans la même mesure. Et le premier signe distinctif évident apparaît au niveau du contour des yeux encore clos qui ornent une traînée noire caractéristique de l'espèce. Prédateur: le lairo peut être la victime des fouines et des oiseaux nocturnes, chouettes et hibou X qui fréquentent le même habitat. Le chat sont aussi des prédateurs pour ces animaux près des maisons. Les tondeuses présentent un danger non négligeable pour ces petits animaux. Répartition: fichier Heliomycarcinus, distribution ZvTube, UPRIG, carte de répartition. Le lairo se rencontre dans toute l'Europe moyenne, de la côte ouest, absent de Scandinavie, de Grande-Bretagne et des Balkans jusqu'à l'Oural à l'est. Il est aussi présent en Asie mineure. Statut et menace: c'est une espèce en forte régression pour des raisons encore mal comprises. Le pesticide S et la dégradation générale de ses habitats, bocage, pré-prairie, arbres, creux ou bois mort, mort, grange et grenier pour elle, hibernation semble pouvoir expliquer une partie de son recul. La dégradation de elle, environnement nocturne par le phénomène dit de pollution lumineuse est en cause, mais l'interaction entre éclairage artificiel et l'héro n'a pas fait l'objet d'études particulières. L'éclairage artificiel en bord de route n'a aucune interaction avec le lairo. Un lairo peut très bien vivre dans une haie bocagère à côté d'une route éclairée. En France ou ailleurs, on trouve dans le commerce des poisons spécifiques pour éliminer ces animaux. Caractéristique particulière: le lairo est capable de laisser la fourrure de sa queue par une sorte des autotomies, un peu comme les lézards quand il est attaqué par un prédateur. L'autotomie caudale chez quelques rongeurs arches.
2 ovales. Exp. Et gène. 4 séries. T6. Des petits archivorgues stram archives de zoologues sans archives de zoologues sans je lire le texte mais elle ne repousse pas. Systématique l'espèce est encore classée par certains auteurs dans la famille des myoxidamyoxidés dans le sous-ordre biologie sous-ordre des myomorphatitis 584970 héliomycarcinulina 1766 consulté le 4 mai 2012 les rôdes dans la culture chlorophylle bande dessinée chlorophylle un boléro par Raymond Machereau note et référence lien externe WASM 12 500 031 héliomycarcinulina 1766 consulté le 4 mai 2012 catalogue Flif espèce Heliomycarcinulina 1766 consulté le 4 mai 2012 Faunaler 305713 Heliomycarcinu consulté le 4 mai 2012 131740 Heliomycarcinulina 1766 consulté le 4 mai 2012 Titi 584970 Heliomycarcinulina 1766 consulté le 4 mai 2012 Adwa Heliomycarcinu consulté le 4 mai 2012 NB 53277 Heliomycarcinu consulté le 4 mai 2012 87618 Heliomycarcinulina 1766 consulté le 4 mai 2012 site espèce animale Heliomycarcinulina 1766 consulté le 4 mai 2012 Ubios 5 542 057 Heliomycarcinulina 1766 consulté le 4 mai 2012 archive je mammal Heliomycarcinu consulté le 4 mai 2012 catégorie rongeur non scientifique catégorie Lyrida.